I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can leave me to the side. You're still raising me up, and when I look inside, she guides me with a sign and light of me. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous les chrétiens. Bonjour à tous les musulmans. Alors, moi c'est le frère Noé Zébois. Je suis un chrétien. Nous sommes là ce soir pour vous faire la mise au point sur plusieurs choses. Alors, je suis accompagné de mon frère dans la foi qui va se présenter. Frère, tu as la parole. Ok, merci frère Noé. Shalom. Alors, nous sommes quand même ici avec le frère Noé, le frère Bombardier, le frère modérateur très très fort, le frère Agnero. Moi, c'est le frère Thierry, le russophone. Alors, nous sommes là ce soir pour beaucoup de choses, mais je ne vais pas aller vite en besogne. Je pense que je vais laisser le frère qui joue le rôle de journaliste, parce qu'il est dans le domaine de la télécommunication, des NTIC. Alors, je pense que je ne vais pas jouer son rôle à lui, à chacun son rôle. Alors donc, voilà un peu de façon succincte la présentation ainsi faite. Merci. Shalom frère. Donc, voilà, il n'est plus à présenter, c'est le frère Thierry le russophone. Donc, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Comme nous avons promis à tous nos internautes que nous devons revenir vers eux pour leur apporter plus d'informations concernant notre actualité dans le domaine de ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Récemment, nous avons eu à être invités pour un débat face aux musulmans. Mais plusieurs choses sont déroulées. Alors, puisque je suis avec l'intéressé lui-même qui était au four et au moulin de la situation, je vais lui demander qu'est-ce qui s'est réellement passé. Frère, essaie de nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Ok, merci frère Noé Zébois. Alors, il faut dire que la question est très bienvenue parce que je l'attendais impatiemment dans le souci d'éclairer la lanterne de tous nos auditeurs, de tous nos internautes, pour que ceux qui ont une ambiguïté ou bien quelque chose de flou dans leur esprit puissent vraiment essuyer cela. Donc c'était hier jeudi 3 décembre 2020. Voilà, donc ici en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune de Adjamé, le quartier Abras. Alors, nous avons reçu une invitation de débat avec les musulmans, chose que nous avons prise vraiment à bras le corps. On avait accueilli ça vraiment avec vraiment tout ce qu'il faut autour par rapport à l'ambiance. Et nous sommes partis, mes frères et moi, nous sommes vraiment allés répondre à cette invitation de façon positive et arriver déjà sur les lieux, puisque c'est une radio, en même temps une télévision web. Voilà, donc c'est avec internet que tout marche. C'est une télévision même si on veut voir, parce que c'est l'œil d'Abras TV. Donc c'est une télévision. Alors, arrivé là-bas, on a quand même eu un entretien, puisqu'il y a d'abord un entretien avant que le débat ne puisse avoir lieu, avant que nous ne montions sur le plateau de débat. Et c'est au cours de l'entretien là que beaucoup de choses vraiment ont été vraiment très surprenantes et très étonnantes. Nous avons dit que nous sommes prêts à affronter n'importe quel groupe de musulmans ici en Côte d'Ivoire et même dans le monde entier. C'est clair. Quelqu'un qui est dans la vérité ne se cache pas et n'a pas peur de quelque chose. Alors, arrivé sur les lieux, on nous a demandé le nom, on a donné le nom. Nous sommes un groupe de chrétiens. C'est ça. Si vous voulez particulièrement, nous sommes les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et on avait en face les élèves d'Adou Majid de la BAM 1781. Ici, et comme maintenant ils sont divisés, donc la BAM a maintenant bicéphale. Ici, il veut m'expliquer bicéphale parce que ça veut dire que ça a deux têtes. C'est ça. Il y a une tête qui est conduite d'un côté par Oussa Diané
et Aka Ismaël. Ceux qui prennent leur religion, c'est pas sur un banc. Qu'est-ce qu'ils faisaient, Matthieu 26, 39? Et de l'autre tête est conduite par Beni Islam et Koul le Barbu. D'accord? La question est que, est-ce que pourquoi tout cela dit aller, les filles ne disent pas? Pourquoi Oustaz Diallé ne figure-t-il pas? À cette question, moi, Béni, ma bouche est trop petite pour parler. Parce que la femme est une structure organisée, une structure grandissante. Et toute structure grandissante a une hiérarchie. Et l'islam a toujours été hiérarchisé. Il n'y a jamais eu de désordre dans l'islam. Alors, moi, mon rôle, c'est de tenir le micro devant le pupitre pour essayer de prêcher. Mon rôle n'est pas d'annoncer cela. Je préfère que mes amis prennent le micro et qu'ils vous disent, qu'on vous donne la réponse à cette question. Et je précise que la question a été posée par deux internautes qui sont l'intouchable Ben Benito et Abdoulaye Bakish. Donc je viens vers nos amis pour pouvoir répondre à cette question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une question qui est posée de la part d'un internaute. C'est une nouvelle rubrique que la BAM lance. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est dans les directs, il y a des gens qui posent des questions très intéressantes, dont la réponse pourrait constituer un développement qui va éclairer les lanternes. Et aujourd'hui, on a décidé de donner la parole aux internautes afin qu'ils posent des questions et que ces questions-là seraient prises, n'est-ce pas, en compte. Et voilà que la première question qui est posée porte sur la présence de Diallé. La deuxième question également, et plein d'autres questions qui suivent, n'est-ce pas, tournent autour de cette réalité-là. Il serait malhonnête de notre part d'éluder, n'est-ce pas, de telles questions. Voilà, parce qu'en réalité, ça crève les yeux et les gens se posent cette question-là. Donc, étant une organisation, on va se faire fort de donner, n'est-ce pas, une réponse satisfaisante afin qu'Inch'Allah, une bonne fois pour toutes, tout le monde soit situé. Vous souviendrez, chers frères et sœurs, que lors de notre rentrée après le corona, on a fait une vidéo où on était en t-shirt, on a présenté le car et tout ça. Et on a été sur Oustaz Diallé à Yopougon. Donc, alhamdoulilah, il n'y a pas, n'est-ce pas, d'autre réponse à chercher que celle que lui-même a donnée. Parce qu'on dit que l'eau qui vient, n'est-ce pas, de la bouche du Seigneur, c'est cette eau-là qui est pure. Et Oustaz Diallé, pour le paraphraser, a dit ceci: j'ai mes activités. Inch'Allah, le jour j'aurai, n'est-ce pas, le temps, je passerai et je viendrai pour prêcher. Ici à Soweto, lorsqu'on faisait le lancement, alhamdoulilah, il est venu. Bon, après, la semaine qui a suivi, on s'est retrouvé à Djamé, Roma Côté, comme vous avez pu le suivre au cours des directs. Et après ça, alhamdoulilah, Oustaz n'a pas eu le temps de venir, n'est-ce pas, dans les activités. Comme il l'a dit, ses activités l'occupent. Quand il aura le temps, il viendra. C'est le lieu pour moi de faire une mise au point définitive, de sorte à ce que nous tous, on puisse se concentrer sur, n'est-ce pas, l'objectif. C'est quoi l'objectif ici, chacun d'entre nous? On vient ici, c'est pour chercher Allah pour entrer au paradis, n'est-ce pas? C'est cela, non? Tout le monde est venu ici, c'est pour chercher Allah.
Normalement, c'est pas Béni qui doit parler. C'est pas Oussane Diané qui doit parler. C'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui doit parler. Mais où est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Il n'est pas là. Il y a la facilité. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui-même est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui sont divisés en deux. Il y en a qui ont quitté l'islam. Il y en a qui disent mais plus Zakat. Il y en a qui disent ceci. Il y en a qui disent cela. Abakar Sidik a pris la parole. Et c'est lui qui adorait Allah et son message. Allah, subhanallah, qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est le vivant qui ne meurt pas. Mais celui qui adore Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed est un mortel et la preuve en est qu'il est décédé. L'islam n'est pas une religion d'iconographie. L'islam n'est pas une religion de bourreau. L'islam n'est pas une religion de superstar. L'islam n'est pas une religion où on pousse une identité personnelle au-delà des objectifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixés. Je le dis parce que l'absence de Oussane Diané aux côtés de Béni est diversement interprétée et ça donne lieu à beaucoup de commentaires. Nous ne pouvons pas répondre sur les réseaux sociaux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit de ne pas conjecturer. Hein? Là, tu as déjà ce sou. Et ne conjecturez pas. Parce que là, une partie de la conjecture est un péché. Comprenez qu'en tant qu'une organisation sérieuse de surcroît musulmane, nous ne pouvons pas répondre à tous les coups de pied d'âne, tous les coups de tous les coups de pattes d'âne. Il y a des gens, des musulmans, qui viennent dire des choses sur les réseaux sociaux dans un cadre islamique. Si on veut répondre là, avec nos propres mots, ça ne sera pas joli. Donc de grâce, évitons certains commentaires. Je voudrais en même temps rebondir, faire d'une pierre deux coups. À côté de Oussane Diané, il y a notre jeune frère Ismaël Aka aussi, qui n'est plus visible, n'est-ce pas, aux côtés de la BAM. Et j'aimerais que la polémique qui entoure, n'est-ce pas, son absence, puisse s'éteindre aujourd'hui et définitivement. Parce que, pareillement à l'absence de Oussas, la sienne aussi est diversement interprétée et cela fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et pas toujours agréable à lire et à entendre. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais dire concernant Ismaël Aka? La BAM, BAM. Les bons amis musulmans, brigade anti-mensonge et autres, 1781 est une organisation. J'aimerais être clair. Nous, on ne trie pas. Même si les deux font coalition, nous, on est toujours prêts. C'est clair. Alors, comme on est entré Béni, la monsieur, dès que nous sommes rentrés dans la salle, que Béni m'a vu, il voulait vraiment, vraiment, vraiment passer par la fenêtre. C'est ça. Il était vraiment embrouillé. Non, le débat n'aura pas lieu. Le débat n'aura pas lieu. Si c'est autre chrétien, on peut faire débat, mais avec ceux-là, on ne peut pas faire débat. Surtout le russe, on peut faire débat avec lui. Les journalistes lui ont demandé, mais monsieur, calmez-vous. Voilà. Si vous ne voulez pas faire débat avec lui, nous voulons quand même avoir la raison fondamentale pour laquelle vous refusez de faire débat avec lui. Puisque l'émission a été lancée depuis mardi, donc deux jours avant. Voilà. Puisque l'émission doit avoir lieu le jeudi. Donc mardi, mercredi, ils ont déjà lancé la publicité sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment parti. Le débat était beaucoup attendu par beaucoup d'internautes de différents pays et même aussi de la Côte d'Ivoire. Tu vois un peu? Oui, oui. Alors, vu l'importance et l'ampleur que cela avait déjà voilà, pris sur le terrain, bon, nous ne pouvons pas refuser le débat. Mais eux, ils ont refusé le débat, qu'ils ne veulent pas faire débat. Les gens lui ont demandé, pourquoi vous refusez? Quel est le motif fondamental? C'est ça. Il a dit non, qu'il est vulgaire, le russophone, il est vulgaire. Quand on fait débat avec lui, il est vulgaire dans ses propos. Il parle mal d'Allah, il parle mal du prophète. Donc pour cela, on ne va pas faire débat avec lui. Les journalistes ont vraiment insisté, ont dit non. Mais ici, à la radio ou bien à la télévision, c'est une autre réalité. Voilà. Et le débat dans la rue, c'est aussi une autre réalité. Exactement. Voilà, donc il faut vraiment accepter ça. Puisque nous avons nos principes ici à la télévision, avant de monter sur le plateau, nous devons d'abord poser les bases. Nous devons d'abord établir tous les principes pour que celui au cours du débat qui enfreint à ces principes-là, alors nous le bloquons. Et c'est fini. C'est ça.
Donc déjà, c'était vraiment une très bonne base qui devait être acceptée de tous. C'est ça. Mais quand on fait le débat là, on met d'abord les principes. Il y a tous les principes de base, non? Voilà. Si maintenant quelqu'un enfreint au principe, tout le monde est témoin que c'est que vraiment ils ont raison, on ne veut plus faire débat à toi. Débat qu'on fait publiquement dans la rue, là, frère, avec débat à la radio, c'est différent. Mais, tu vois un peu? Radio. En fait, c'est ce qu'ils, quand ils m'ont donné. Après, ils font débat à la radio. Voilà. C'est différent, débat à la radio. J'ai plus le débat au grand public, j'ai dit dehors. Le grand public, c'est différent. Donc, on va les essayer. C'est tout. Voilà. Maintenant, le président, il me dit non. Lui, bon, vous avez eu, après plusieurs débats, il a cité. C'est dans la rue. On n'a jamais fait de débat avec dans la radio. Voilà. Il a dit là, c'est encore plus cadré. Il a apporté des arguments. Il me dit non, que c'est pas possible. Chose surprenante. Chose très étonnante d'ailleurs, Denis Lam a insisté dans son refus. Oui, un maître. On l'appelle maître. Au Bénin Slam, maître Béni. Au stade Béni. Plus il a des élèves. Il a des élèves qui étaient même, ils étaient accompagnés de quelques élèves. Exactement. Alors, nous n'avons pas besoin de ces titres-là. Amen. Le Seigneur connaît notre position. Voilà. Nous ne sommes pas des maîtres, mais nous avons notre maître, le Seigneur Jésus. Nous sommes les élèves du Seigneur Jésus. Claire. Mais il n'y a pas un maître islamique sur la terre qui va tenir une tête à terre et va s'en sortir. Amen. Et comme il a vu ça de loin, oui, il a refusé. Alors, ceci étant, j'ai dit bon. Vu que, j'ai dit, bon, moi je ne peux pas leur dire qu'ils insultent, parce que c'est leur deuxième nature. Ils ont dit des propos même à l'égard du Seigneur Jésus. Bénis Islam, c'est sur les réseaux sociaux. Bénis Islam a dit avec Oustad Diané, on dit que le Seigneur Jésus-Christ a couché avec deux filles. Et même dans la Bible, il y a la pornographie. Et Jésus a couché avec deux filles dans la Bible. Ça, ce sont les propos des Oustades. Ça, c'est les propos des Oustades islamiques. Islamique. Ceux qui disent qu'ils croient plus en Jésus, qu'ils respectent Jésus, que Jésus est pur selon le Coran. Oui. Voilà celui qui est pur, là, voilà de ce qu'on dit de lui. Qu'il a couché deux filles dans la Bible. Et que la Bible, dans la Bible, quand on parle de pornographie, quand on parle de manger l'homme, c'est dans la Bible. C'est ça. Mais tout ça, on pourrait aussi dire, bon, comme ils ont dit ça de notre Seigneur, on ne fait plus de débat avec eux. C'est ça. Mais ça serait une fuite en avant. Nous, on n'est pas dans ça. Jésus est assez mature et assez grand pour se défendre lui-même. Mais c'est clair. On n'a pas besoin de défendre celui qu'on adore. Jamais. Au contraire, c'est lui qui doit nous défendre. C'est ça. Alors, nous, on fait fi à tout ça, de toutes ces choses-là. Et encore, ils ont dit, même Bénislam, le même Bénislam encore a dit, Matthieu 6, à partir de Matthieu chapitre 6, là, lorsque les disciples un jour ont demandé à Jésus, comment apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite, alors pardonne-nous nos offenses. Et Bénislam a dit, Jésus est le plus grand pécheur de tous les temps. Parce que voilà Jésus qui est en train de confesser ses péchés ici. Il a entendu le sens de l'écriture. Or, c'est Jésus qui était en train d'apprendre à prier à ses disciples. Lorsque vous priez, dites deux points. Notre Père qui est aux cieux. Donc, le mot notre Père qui est aux cieux s'adresse déjà aux disciples. C'est clair. Mais lui, il a dit non, Jésus est dedans. Allez, notre Père. Comme il n'a pas dit votre Père, il dit notre Père. Donc, il est dedans. Bon, je le comprends parce qu'ils n'ont pas de niveau. Donc, ça, moi, je ne vais pas m'attarder sur ça. Ouais, ouais. Alors, malgré tout ça, nous sommes là pour faire le débat toujours. Mais ils ont refusé, sous prétexte qu'on parle mal de leur prophète. Or, leur prophète lui-même de son vivant a dit dans le Coran, oui, que s'il arrivait et qu'on vous entendait des propos désagréables, les propos durs, les propos peut-être même voire injurieux, soyez endurant. Quand on dit soyez endurant, ça veut dire que tu ne vas pas faire, tu vas faire face. Ça. Mais si un débatteur dit parce qu'on m'a insulté, bien on a insulté mon Dieu, pour ça, je ne fais plus de débat. En réalité, je ne vois pas son exemple dans l'histoire. Non, non. Même Abdou Majid, on l'insulte au cours des débats. Il, souvent, il essaie d'éloigner certaines choses, d'insulter même ses débatteurs et de se moquer d'eux. Ils n'ont jamais mis fin au débat. Ils ont toujours fait le débat. C'est ça. Et c'est ce qui a même fait l'ambiance. Alors, comme il insistait toujours dans son refus, il a dit, ok, je vais prendre sur moi quand même ce loup fado-là pour faire un sacrifice que je ne devais même pas faire. Il dit, bon, je vais faire ce sacrifice-là. Puisque les journalistes, les animateurs étaient là avec nous hier, ils ont dit qu'ils ont lancé cet appel-là, la publicité du débat, et aller partout. Les gens attendaient. Et dans la cour même de la télévision, et dans la salle, et sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'était vrai, tout attendu. Non, tu vois, si on ne faisait pas ce débat-là, je leur ai dit, si on ne fait pas ce débat, ça va faire vraiment un coup. C'est ça. Voilà, leur radio, leur télévision va prendre vraiment un coup, et ça peut être un discrédit. C'est ça. Alors, pour éviter ça, il dit, je me sacrifie. Moi-même, je vais m'écarter. Ouais. Je ne ferai pas le débat.
Et comme il dit que c'est moi le problème, oui. Et que c'est avec moi seulement il ne veut pas faire débat, oui. Alors je me retire, je ferai pas de débat. Okay. Pour lui seulement, qu'il fasse le débat avec deux de mes frères. Et j'ai dit il va faire le débat avec le frère Jean, instrument, le frère qui joue à la, aux instruments là. Ah, oui, oui. Et le frère Bombardier, demander le Bombardier. J'ai dit c'est ces deux frères là qui vont aller faire le débat. Moi je serai dans la foule, je ne vais pas faire le débat. Comme c'est moi le problème. Et je ne veux pas qu'il y ait un discrédit sur la télévision. Du fait que le débat ne va pas avoir lieu. Donc je me retire pour que le débat ait lieu. Vu la teneur, vu l'importance, puisque l'émission est déjà, vous avez lancé les infos, tout la commission, tout ça. En fait, tout ça tout le monde. Vu ça, je vais, trouver, non, je vais trouver un palliatif pour voir vraiment s'il va encore refuser ça. Je vais trouver un palliatif. Comme c'est moi, je ne vais pas, je dis non, ils ont décidé de ne pas faire le débat à moi. Moi, je peux prendre mes deux autres frères, comme tu as vu là. Ils vont aller faire le débat. Si vraiment, moi, je me retire. Je suis dans l'auditoire. Voilà, moi, comme moi, ils ont dit que c'est moi, ils ne veulent pas voir parce que tant. Ils n'ont jamais fait le débat à lui. Donc, moi, je vais dire aux frères là, les frères vont aller faire le débat avec lui. Parce que votre émission, si on ne fait pas vraiment, ça va faire un coup. Donc, à cause de ça, je vais contrôler ce palliatif là. Moi, je me retire. Je ne vais pas participer. Je vais rester dans l'auditoire, dans la foule. Ils vont faire le débat avec lui là et puis l'autre frère que lui connaît très bien. Merci, il va faire beaucoup, le débat. Bon, je suis avec les frères de la radio. Voilà, il y a Russophone qui insiste coûte que coûte. Il veut son débat. Il dit lui, il va pas faire le débat. Bon, il va présenter d'autres frères qui vont faire le débat. Bon, je sais pas quelle est l'attitude d'Antonio. Dites-le aussi que nous on tient au moment. Comment? Okay. Les frères t'entendent. En fait, les responsables de la Web TV sont là. Je te le passe. Hein. Tu es aussi au parleur. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, voilà, je suis responsable de la programmation à l'œil de la presse. Et vraiment, on est en train de chercher à trouver une solution puisque l'émission est calée. Je sais, hein, vous avez des engagements. Votre représentant ici nous a vraiment expliqué et on comprend la teneur de la chose. Mais on veut au moins trouver cette fois-ci un palliatif. On veut que ici, sur le plateau de l'œil d'Abras là, que les gens puissent voir que vous deux, les deux groupes religieux là, qu'on considère peut-être comme trop antagonistes, puissiez avoir un discours assez responsable quand même. Parce que vous êtes des religieux, c'est ce qu'on dit. Donc on aimerait que ce soit fait ce matin même. Donc lui par exemple, qui est le problème, on le retire et puis il se fait représenter par deux autres personnes. Mais avec des principes très clairs. Il n'y aura aucune injure. S'il y a une seule injure, on ferme l'émission immédiatement et la personne sera interdite d'accès à notre média. Et puis même bloquée aussi sur d'autres médias. Parce que nous aussi, les médias, nous sommes en association. Donc vraiment, c'est ce qu'on veut vous demander. Vraiment, faites-nous cette faveur. D'accord. Merci. On veut bien vous compter sur vous. Il est là encore. Je n'ai même plus dans le débat. Franchement. Il dit jamais. Même si tu te retires, même. C'est un groupe. Lui, les gens le connaissent avec toi. C'est un groupe. Ça, c'est. Il ne coupe pas la parole. Oui, oui. Mais c'est un sacrifice énorme. Hein. Mais les animateurs ont reconnu ça. Ils m'ont même salué, oui. Wow. Ils m'ont salué, ils m'ont dit vraiment, monsieur, vraiment, tu as un grand cœur. C'est ça. Merci beaucoup pour vraiment ce grand sacrifice. Sinon, tu étais venu pour faire le débat. Mais comme tu refuses toujours et que tu veux forcément que le débat ait lieu pour ne pas qu'il trouve une échappatoire, tu t'es retiré pour que tes frères puissent faire le débat. C'est vraiment, c'est un grand sacrifice. Merci beaucoup. Wow. Ça, c'est vraiment un vrai palliatif qu'on avait trouvé à la fuite de Benin Islam. Ouais, ouais. Mais c'est toujours mal connaître de Benin Islam. Oui, je vous parle. Benin Islam m'a refusé toujours. C'est pas possible. Il dit même avec mes frères, il ne fait pas de débat. Alors c'est là que les journalistes ont compris que c'est lui qui a le problème. C'est ça, il y a un problème à son niveau. C'est ça. Oh, il avait dit qu'il allait appeler un de, je sais pas, on dit, voilà, Amir ou bien quoi, ouais, Émir. Ils allaient appeler un de leurs émirs. Ouais, les supérieurs. Les supérieurs. Bah, ils sont organisés. Et si le supérieur dit oui, le débat allait avoir lieu. Exactement. Mais le supérieur, ma grande supérieure, a dit oui. Voilà. Il a dit, bon, si le russophone s'est retiré et que le russophone ne participe pas au débat, alors Benin Islam fait le débat. Fait le débat avec deux de ses frères là. Benin Islam dit non, moi je suis déjà même, je ne suis plus dans la peau du débat. Je ne suis plus dans l'esprit du débat, je ne veux plus. Là, en réalité, les journalistes ont compris que
vraiment, il a un problème à son niveau. Ce que je vois là, c'est que même si tes frères, même peut-être, veulent vouloir, mais toi-même là, tu ne fais pas le problème. C'est toi-même le problème. Parce que tu as appelé quelqu'un, donc attends sa décision. Mais toi, me dis que tu veux. C'est ce que j'ai dit là. Et s'il dit oui, il faut faire le débat. Si, dit oui, je vais lui expliquer mon sentiment. Ah là, non. Ça, c'est un sentiment personnel. Ça n'a rien à voir par rapport à ça. Il cache quelque chose. C'est ça, c'est une situation. Tu vois un peu. Et le frère Bombardier m'a dit qu'il allait même faire un petit poteau, même. Avec le barbu, voilà. Bénice, là, lui qui a appelé, dit si comme Bénice dit n'est pas dans l'esprit du débat, alors il faut laisser Koulou Barbie, il va faire le débat. Voilà, il est dans l'esprit du débat. Il est dans l'esprit du débat. Voilà. En même temps, Bénice a dit, mais il ne faut pas imposer à Koulou Barbie de faire le débat. Il faut lui donner le téléphone pour demander s'il est content, s'il veut faire le débat. Pendant qu'on parle sur le téléphone à Koulou Barbie, Bénice, là, dans la salle, a fait signe qu'il ne faut pas que Koulou Barbie accepte le débat. Et quand on a donné le téléphone à Koulou Barbie, naturellement, il a refusé aussi. Voilà, enfin vous ne passez pas si vous voulez, vous prenez deux personnes, lui donne deux personnes qu'on ne connaît pas aussi. C'est tout, on va faire des choses. On n'a qu'à partir. Tu vois un peu. Donc voici un peu ce qui s'est passé. Mais cela n'est pas étonnant parce que je n'étais pas trop surpris. C'est ça aussi. J'étais un peu surpris parce que pour moi, à la radio, comment pour le respect des auditeurs, le respect des internautes et le respect de la chaîne de télévision qui nous a invités, pour moi, là, c'est tout le débat. Facile, tu vois un peu, mais ça ne m'a pas aussi trop étonné parce que ce n'est pas la première fois. Ah bon? Oui, je non, mais écoute. Mais parce qu'on a les échos, paraît-il qu'il y a des débats auparavant. Non, mais quand un musulman fuit, il est au village. C'est le man, c'est le musulman a toujours fui le débat. C'est sa nature. C'est quelqu'un qui ne fuit pas le débat. Lorsqu'il fuit, ça étonne. Exactement. Le musulman, ils ont toujours fui. Lorsque en 2018, je pense bien, en 2018, encore à la Sorbonne, ils ont fui le débat. Ce jour-là, je me rappelle bien, c'est le frère Richemont, et je me rappelle très bien. Oui. Il habite côté là, le frère Richemont qui avait filmé ce jour-là. Il a même mis dans son ordinateur, il a dit que vraiment son ordinateur a eu un coup, a pris un coup. Voilà donc, voilà pourquoi la vidéo n'est pas là. Sinon, Richemont est témoin, c'est lui qui a filmé ça. Oussa Diané était ensemble en ce moment-là. Avec Obénis là, on est allé à la Sorbonne, ils ont fui. Ils ont fui le débat. Ouais. Devant tout le monde, devant un monde, ils ont fui. Ah, c'est pas la première fois. Ça, c'est une fois, ouais. Oui. En 2019 encore, même Sorbonne encore, ils ont fui. C'est là que, là, dans la vidéo, ouais. Où ils étaient en t-shirt orange et tout ça là. Oui. Ils ont mis BAM là. Ils ont fui encore deuxième fois. À cette période, ils étaient unis. Hein. Ils étaient unis. Pas ils n'étaient pas encore divisés. En ce moment, vraiment, l'argent n'a pas encore créé la zizanie entre eux. Ah, ouais. Donc, ça allait bien. Okay. Tu vois un peu. Parce que si vous voyez cette division, nous savons que c'est pas sur la doctrine qu'on sépare. Un des musulmans, quelle doctrine pour se séparer sur la doctrine? Donc, si musulman s'est séparé, on sait pourquoi. Je vais arriver là. Ok, frère. Donc pour qu'il soit quand même méticulé, ça. Et ordonné. Ça. Alors, donc après cette deuxième fuite en 2019, encore, même 2019 là encore, Ben Islam, il avait lancé un défi. Oui. À tous les chrétiens, là c'était à Makori, ouais. Parce que nous sommes à Yopougon. Makori, Yopougon, on voit que c'est vraiment deux communes différentes, c'est très loin. Ouais. Donc ils ne s'étaient pas imaginé que nous on pouvait arriver là-bas. C'est ça. Et nos frères qui sont là-bas, on dit, ben, nous on ne peut pas faire le débat, mais on a nos prédicateurs qui peuvent venir faire le débat avec vous. Ils ont dit, quoi? Mais nous, on attend ça vite. C'est ça. Que nous, on n'a pas peur de faire débat avec un chrétien ici en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas de chrétien qui peut faire débat avec eux. Tu vois un peu? Ouais. Donc quand ils ont dit ça, les frères ont dit, mais est-ce que si nos frères, nos prédicateurs viennent, vous n'allez pas finir? Non. Appelle-les vite. Donc ils ont pris rendez-vous avec nos frères le mercredi qui a suivi ça, ils prêchaient là-bas le mercredi. Enfin, ils faisaient des incarnations là-bas le mercredi. Voilà, merci. Tu vois, et puis musulman, il n'y a pas évangile dans le Coran. Jamais. On ne peut pas dire que les musulmans évangélisent. Donc ils font des incantations. C'est ça. Maraboutage et fétichisme. Voilà. Alors, donc, quand ils nous ont dit donner rendez-vous, on est parti et le frère et moi, on était cachés quelque part. Et nos frères qui devaient faire le débat avec eux se sont mis déjà au milieu et les gens commençaient à filmer. Il y avait le monde en bas des changeurs là, Makori. Ouais. Et Bénice m'avait déjà fait l'introduction. Okay. On dit s'il n'a pas encore fait l'introduction, si on veut bien fuir. Ouais, donc, pour ne pas qu'il fuit, laissez-le faire d'abord son introduction. Il a fait son introduction et c'était maintenant à notre tour, à nos frères, de faire leur introduction. Et nos frères ont dit, comme on vous l'avait prévenu, que c'est nos frères, nos prédicateurs qui allaient faire le débat, ils sont là. Il dit, mais appelez-nous, quand venez-vous les matins. C'est là que je suis rentré, directement, quand je suis rentré dans la foule, directement au milieu, en face de Ben Islam. Là, il y avait Ben Islam, il y avait Koulou Barbie et puis il y avait Ismaël Aka. Ce jour-là, il n'y avait pas Oussa Diané. Okay. Dès qu'il m'a vu là, il dit, wow, Rissophone, tu me veux quoi? Pourquoi tu me poursuis à chaque fois? Pourquoi partout où je suis, tu me veux quoi, Rissophone? Il dit, je ne fais pas de débat, pourquoi tu me poursuis? Ouais, il a commencé à pleurnicher, à pleurer. Ah. Et ce jour-là, ça a créé un coup, une grande division parmi les musulmans de là-bas. Parce que les gens ont dit, mais c'est vous là-bas, les gens d'Adou Majis, tout le monde construit vous en Côte d'Ivoire. Quoi? Vous avez dit ici que vous n'avez pas chrétien devant lequel vous pouvez fuir. Mais les gens sont venus faire le débat, tu as fait ton introduction, laisse-moi faire le débat. Il dit, il ne veut pas. On l'a filmé même.
Il a pleurniché, pleurniché. Donc, Bénis Salam, en fait, bon, musulman, en fait, c'est l'heure comme ça. Exactement. Quand ils voient que celui qui est en face d'eux, là, maîtrise leur Coran, c'est fini. Ils vont, toi, ils vont. Parce qu'ils ont toujours été comme ça. Coller une étiquette sur toi pour dire non, soit il est mal élevé, ou bien soit il est impoli, ou bien soit il est vulgaire, ou bien il est pervers, soit il est sur nos prophètes, ou bien il est sur notre Allah. C'est là. Tu vois un peu. Donc, ils ont toujours été comme ça. Donc, ils ont fui déjà à la Sorbonne une, deux fois. Ouais. Ils ont fui à Makori une fois. Ils ont fui au palais trois fois. C'est l'heure comme ça. Ah. Là, tout le monde est au courant. C'était publiquement, la dernière fois, c'était publiquement qu'ils ont refusé. Quand ils nous avaient dit de chercher salle, si on trouvait une salle, on allait faire le débat. Oui, 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 oui. Comme on a déjà, parce que si on n'avait pas trouvé salle, qu'on venait, c'est pas bon. C'est et ça. Si on ne venait pas, on ne faisait pas le retour. On allait dire qu'on a disparu. Qu'on a fui. Bon, pour ne pas qu'ils sachent, pour ne pas qu'ils pensent qu'on a fui, quelqu'un te dit, quelqu'un te dit, trouve-moi au moins une salle. Si tu as trouvé une salle où il y a sécurité, que c'est ordonné, on va faire avec moi. On va plus faire débat avec vous dans la rue. Dans la rue on a dit, c'est bon. Oui. On est rentré en brousse, on a réfléchi, on a fait tout. On a dépensé beaucoup d'argent et on a trouvé une salle avec les chaises, tout équipé, tout confort. Ouais, ouais. On allait lui dire, ah, comme vous avez dit, si on trouve une salle, de venir vers vous, faire le retour. On est venu faire le retour pour le débat. Il dit non, on est mal élevé publiquement, mais nous on dit qu'on est mal élevé. Donc un homme qui dit publiquement devant plus de 500 personnes à son prochain qu'il est mal élevé, des gens qui sont intelligents savent que c'est lui-même qui est mal élevé. C'est ça. Tu vois un peu. Clair. Voilà, donc voici un peu en gros, ouais, pour dire que la fuite des musulmans, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ouais. Ils ont toujours été comme ça. Si c'était un catholique, ils allaient faire débat avec lui. Si c'était un fausse croix, ils allaient faire débat avec lui. Si c'était un assemblée de Dieu, ils allaient faire débat avec lui. Si c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas le Coran, ils allaient faire débat avec lui. C'est clair. Pour le ridiculiser, pour se moquer de lui. C'est ça. Mais quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui est en face d'eux, c'est des gens qui sont avertis. Des gens qui sont assis dans la Bible et dans le Coran, c'est ça. Ils vont fuir. Donc voilà comment hier il a fui et il avait honte comme ça, son visage, il ne pouvait pas regarder les gens. Il avait très honte. Voilà le problème. S'il acceptait le débat, il allait fuir pour sortir par la fenêtre. Mais ça c'est clair. Pour éviter ça, parce qu'il était accompagné des élèves là, il faut aller. Alors. Donc voici un peu en gros, voilà, de façon générale, voici ce qui s'est passé hier, jeudi 3 décembre 2020, à Djamé, à la télévision, l'œil d'Abras. Shalom frère. Tu es vraiment rentré dans tous les détails et ceux qui nous suivent voient clairement que tu as été clair. On va plus revenir dessus. Maintenant, le problème qui se pose, vu que c'est eux qui sont la tête montante des musulmans ici en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle on les appelle les élèves d'Abdul Majid. Lorsque tu affrontes un débat, tu affrontes autant pour moi un musulman qui n'arrive pas à avoir des arguments solides, il dit allez-y, je suis les élèves d'Abdul Majid. Maintenant, on constate qu'on se rend chez les soi-disant élèves d'Abdul Majid. Et ces derniers-là se mettent à fuir les débats. Or, en même temps qu'ils fuient les débats avec des chrétiens avertis, très bien, ils traquent dans l'ombre certains chrétiens qui ne maîtrisent pas la Bible. Le Coran aussi. Et le Coran aussi. Voilà, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux lancer comme message pour détruire cette mauvaise pensée des musulmans? Ok, merci beaucoup. Je vais faire juste un petit feedback. Vas-y. Voilà, j'ai fait juste un petit, regard. Un regard rétrospectif, yes, par rapport à ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il faut dire que aussi à la télé, ça nous a fait du bien, parce que lorsqu'ils ont fui le débat devant tout le monde, les journalistes ont dit bon, comme ils ont vu la véritable raison pour laquelle les gars, les Bénis Salam, les élèves d'Abdul Majid ont fui le débat, ils ont dit ok, donc on reste en contact avec vous, on échange le contact avec eux, oui, oui, que eux-mêmes vont nous inviter un jour, on va aller intervenir là-bas, on va aller exposer, oui, ouais, sur l'islam là-bas. Tu vois un peu, donc c'est déjà quelque chose de positif. Pour dire qu'on est resté dans de bonnes relations, dans de bons termes, avec les animateurs et les journalistes de la dite télé. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire d'abord. Mais pour revenir maintenant sur votre question, alors, comme les musulmans, c'est eux qui sont les représentants ici, parce que lorsque tu fais même débat avec quelqu'un que tu l'as maté, et que tu dis vraiment, les musulmans ne font pas le poids, ils disent non, on va appeler renfort. C'est ça. Et quand tu attends leur renfort, c'est les élèves d'Abdul Majid. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ici, en Côte d'Ivoire, là, quand on dit élèves d'Abdul Majid, tous les musulmans ont confiance. C'est ça. Ah, c'est vrai. Alors, et comme quand ils voient les chrétiens avertis, et puis ils fuient débat, ils ne veulent pas faire débat avec nous, mais quand c'est les autres, là, les chrétiens qui ne maîtrisent pas le Coran ou bien qui ne maîtrisent pas bien la Bible, parce que aussi maîtriser la Bible, c'est un don. C'est ça. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut pour maîtriser la Bible avec la révélation. C'est clair. C'est Dieu aussi qui peut faire grâce aussi à un chrétien de maîtriser le Coran. C'est ça. Si le chrétien ne maîtrise pas le Coran, qu'il ne peut pas faire débat à musulman, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas chrétien. Jamais. C'est un chrétien. Oui, oui. Mais c'est parce qu'il ne s'intéresse pas au Coran. C'est ça. Voilà. C'est un chrétien, mais qui ne maîtrise pas la Bible. C'est ça ne fait pas de lui un païen. Jamais. Alors, l'appel solennel que je vais lancer maintenant, frère, à partir de ce que j'avais dit là pour détruire cette pensée, c'est ça, c'est que je lance un appel à tous ceux qui croient déjà que Jésus-Christ
est le véritable Dieu Tout-Puissant. Que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Oui. Tous ceux qui croient à ça, que ce soit un catholique. S'il y a un musulman qui, on dit élève d'Adou Majid, dès qu'il vient vers vous et qu'il vient faire des bavés, sous prétexte que vous ne maîtrisez pas le Coran, oui. appelez-nous qui sommes vos frères voilà. pour les fouetter. C'est ça. Ne paniquez pas. Dès qu'il vient dire, ok, comme tu veux que tu es serein, est-ce que tu es sûr que tu veux faire des bavés avec moi? Est-ce que tu es vraiment sûr? S'il dit oui, tu dis ok, assieds-toi. Et puis tu nous appelles. Soit un SMS, tu donnes ta situation géographique, on va vous trouver là-bas. C'est gratuit, aller-retour. Voilà. C'est nous, on va s'occuper de notre transport. Claire. On va venir là-bas pour faire le travail propre. Ouais. C'est tout. Donc, c'est ce palliatif-là que je peux trouver à nos frères qui ne maîtrisent pas le Coran et que les musulmans sont en train de ridiculiser, sont en train de se moquer d'eux là. Voilà ce palliatif que je peux trouver pour que, en cas de cas, ils puissent nous appeler pour qu'on puisse alors faire le débat à leur place. Okay. Voilà. Je pense que le message est clair. Hein. Maintenant, pour nos internautes qui nous suivent à l'extérieur de la frontière ivoirienne, voilà, nous avons des jargons ivoiriens. Lorsqu'ils parlent de livraison à domicile, ça veut dire le musulman qui demande le débat, il donne sa position géographique sur le territoire ivoirien et nous-mêmes, on se rend là-bas. On paye notre transport aller-retour. Donc, c'est un peu ça, la livraison à domicile. Donc, frère, nous allons passer au dernier point. Voilà, vu tout ce que tu as dit. Maintenant, vu que leur tête, Abdul Majid aussi, qui est un grand débatteur islamique, et ses élèves qui sont ici ne font pas le poids, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de rencontre avec lui pour avoir un face-à-face direct? Mais messieurs les journalistes, messieurs les journalistes, j'ai déjà perçu l'esprit de votre question, mais quoi de plus normal? Lorsque dans la Bible un jour, les apôtres de Jésus étaient confrontés à cette situation-là, ils étaient là pour chasser un démon dans la vie d'un enfant. Et lorsque les disciples de Jésus, qui sont élèves de Jésus, lorsqu'ils ont échoué, alors ils ont fait recours à qui? Pas à un autre disciple, non. Pas à un autre apôtre, jamais. Mais ils ont fait recours immédiatement à leur maître. C'est ce qui est normal. Quand l'élève fuit qu'il ne fait pas de poids, c'est le maître qui est obligé de venir alors enlever son visage par terre. C'est le maître qui est obligé de venir représenter valablement l'élève. L'élève, c'est ça. Puisque c'est ton élève, il ne fait pas le poids. Mais c'est toi qui vas venir maintenant pour rectifier les choses. C'est ça. Donc, c'est pour dire déjà, il t'a déjà répondu. C'est pour dire simplement que comme les élèves d'Adou Majid, ici en Côte d'Ivoire, qu'on appelle la BAM 1781, là encore, il y a un rectificatif. C'est ça, vas-y. Quand on dit Sourate 1781, ça veut dire que la vérité entre parenthèses, l'islam est venu et le mensonge a disparu. Parce que le mensonge est appelé à disparaître. Exactement. Mais c'est faux. C'est faux. Quand on veut prendre même bibliquement parlant, c'est la vérité d'abord qui vient premier. Voilà. Quand vous prenez le livre de Genèse chapitre 2, verset 16 à 17, c'est Dieu d'abord qui a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne pourras pas manger. Ça, c'est Dieu même la vérité. C'est ça. Dieu n'a pas la vérité, mais il est la vérité. C'est nous qui avons la vérité, exactement, qui est Dieu. Mais lui, il est la vérité. Alors donc, il a donné sa parole, il est parti. Plus tard, c'est le diable qui vient maintenant, le menteur qui vient pour dire autre chose. Mais comment on va savoir que telle chose est mensonge ou bien telle chose est fausse? S'il n'y a pas au préalable la vérité, on ne peut pas savoir. Non. La vérité est comme un miroir. C'est ça. La vérité est comme la base, le fondement qu'il faut, sur lequel il faut t'asseoir pour pouvoir corriger ce qui vient. Exactement. Si c'est conforme, c'est ça que tu prends. Voilà. Si c'est pas conforme, c'est que c'est le mensonge. Exactement. Donc, quand il dit que la vérité est venue, c'est faux, ça ne tient pas. Ça tient pas. Voilà, la vérité a toujours été au début et le mensonge vient après. Et quand le mensonge vient, il peut prendre l'ampleur. Vous voyez un peu, vous voyez ce qui s'est passé. Alors, donc, c'est juste un petit rectificatif. Alors, pour dire que, et puis en plus, là, quand on va plus loin, quand la vérité vient, si vraiment c'est la vérité, ça ne peut pas fuir le mensonge. Jamais. Jésus, qui est la vérité, n'a jamais fui devant les menteurs qui étaient les pharisiens. Jamais. En cas de débat. Jésus n'a pas fui débat devant les zélotes, devant les scribes, devant les pharisiens, devant les sadduciens. Je n'ai jamais vu. Non. Devant les hérodiens, sous prétexte que ils parlent mal. Mais Jésus a été traité de Belzébul par les pharisiens. Belzébul, c'est-à-dire Satan, le prince des démons. Qui est le patron des démons? C'est Satan. Donc ils l'ont traité même de Satan. Dans Jean 10, verset 19 à 21 jours, on l'a même traité de possédé. On dit il est fou. Mais est-ce que Jésus a arrêté de faire débat? Jamais. Est-ce que Jésus a arrêté de les cogner? Jamais. Est-ce que Jésus a arrêté de les mater? Est-ce que Jésus a arrêté de les corriger? Il n'a pas arrêté. Donc, voilà un peu pour dire que, comme tous fuient, on va faire recours à leur maître. C'est ça. C'est la seule solution qui nous reste, la seule alternative qui nous reste.
Si les élèves d'Adou Majid font le débat, qui ne pas faire débat, on va dire à leur maître que tes enfants qui sont ici là ne font pas le point. Tes élèves qui sont en Côte d'Ivoire, Abdou Majid. Vas-y, fais. Docteur Abdou Majid. Voilà. Ils aiment les appellations, les titres. Il faut leur donner ça. Il faut leur accorder ça. Voilà. Il faut leur accorder. C'est les enfants, c'est toujours son docteur en théologie, voilà. Docteur en divinité. Or, ça n'a pas de trace biblique. En études comparées, chèques, oustas, voilà. Ayatollah, c'est eux, ils veulent tous ces titres. C'est, ils n'ont qu'à prendre. Nous, on est les élèves de Jésus. On est petits. Voilà. Alors, docteur Abdou Majid, ici nous sommes en République de Côte d'Ivoire. Et ici en Côte d'Ivoire, tu as des élèves qu'on appelle les élèves d'Adou Majid, la BAM 1781. Ceux-là font la honte de tous les musulmans. C'est clair. Franchement. Parce que pour moi, quelqu'un peut fuir une fois, deux fois. Parce que peut-être qu'il n'est pas prêt vraiment sur le thème. Mais à chaque fois fuir là, c'est décourageant. C'est décourageant. Et je pense qu'il faut vraiment relever le défi, sinon c'est pas bon. Voilà. Un jour dans tes interventions, une de tes interventions, tu as dit qu'il y a quelqu'un là qui ne pouvait même pas atteindre la cheville de tes élèves de Côte d'Ivoire, Benin Slam et Oussa Diané. J'avais dit ça. Tu avais dit que tu dois faire confiance, tu comptes sur eux. Mais eux-mêmes, je sais que, étant un homme honnête dans l'humanité, dans la doctrine, il n'est pas honnête. Mais dans l'humanité, c'est que tu es un homme honnête, tu es un homme qui a une conscience. Car même si tu suis les débats de tes élèves de Côte d'Ivoire là, je pense que tu es déçu. C'est ça. Tu ne sais pas ce que tu l'as, c'est pas le degré d'élévation, la hauteur que tu lui as donné là, c'est pas ça. C'est ça. Voilà, vraiment, il gâte ton nom ici. Donc je souhaiterais que toi-même, tu puisses vraiment venir. Tu as les moyens. Si tu dis tu vas venir en Côte d'Ivoire, même si tu dis aller en France, aller de tout, même jour tu le fais. Venir en Côte d'Ivoire, même trois fois dans l'année, tu peux le faire. Donc je te demande, on avait déjà lancé ce défi-là. Il y a longtemps, oui. Tu as ton, les gens ont dit là-bas, ton protocole a dit que non, tu es occupé, c'est à cause de ça, ok. Ça fait un an et quelques. Maintenant, nous réitérons nos propos, selon notre défi, Abdul Majid, les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ, ici en Côte d'Ivoire, nous sommes un groupe de chrétiens. Nous voulons que vraiment tu fasses un effort pour arriver en Côte d'Ivoire, pour faire, il ne serait qu'un débat avec nous. On veut faire un débat seulement avec toi, parce que tes élèves ne font pas le poids. Tes élèves, vraiment, franchement, pour tous les respects que je leur dois, parce que ce sont mes amis, en dehors de Dieu, ce sont mes amis. On s'appelle, on cause. Mais si on arrive sur le domaine de Dieu, vraiment, ils ne font pas le poids, ils sont la honte, l'opprobre total, la confusion totale de l'islam en Côte d'Ivoire, ce sont tes élèves-là. Bon, on peut dire que bon, comme ils se sont divisés maintenant, voilà. Parce que Benin Slam a allé d'un côté, et aussi à dernier, de l'autre côté, on peut dire que c'est ça qui les a fragilisés. Mais quand ils étaient même ensemble en coalition, ils ont toujours fui. C'est ça. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Alors je souhaiterais que Abdou Majid vienne à un débat avec lui. Frère, oui. Je veux que. Est-ce qu'il va venir? C'est la question. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça. Mais parce qu'une chose est de demander débat et une autre est de satisfaire la demande. Est-ce que Abdou Majid va venir au débat? C'est ça. Parce que si Abdou Majid est sous notre débat, est-ce qu'il pourra avoir le courage de venir faire débat avec nous? Parce qu'il sait que s'il vient, frère, on va le fouetter comme ses élèves. C'est clair. Hein? On va vraiment. Ça, c'est pas orgueil. Hein? Non, non. On va le chipoter, on va le mater. C'est-à-dire que lui-même, là, il va dire ah, il sait que. Apparemment, nous, regarde, il regarde notre âge, notre forme, tout ça, il regarde. Il dit nous sommes les enfants, c'est vrai. Mais dans l'affaire de Dieu, il n'y a pas enfant dedans. Dans l'affaire de Dieu, on doit dire enfant ou pas, c'est sur le terrain vert. C'est-à-dire c'est en phase de débat. C'est ça. Quelqu'un peut avoir 20 ans et puis va mater quelqu'un de 50 ans. C'est clair. Voilà. Adou m'a dit même souvent, il a humilié certaines personnes qui sont âgées que lui. Oui, oui. Donc ça veut dire que dans l'affaire de débat, ce n'est pas l'âge qui compte. Jamais. C'est les arguments qui comptent. C'est que tu détiens ta connaissance, c'est ça qui compte. Alors, donc je souhaiterais. Je lance un défi à Abdou Majid, voilà, pour qu'il puisse venir en Côte d'Ivoire pour faire ce débat avec nous. Il a des moyens, c'est eux qui ont tous les gros moyens. Et s'il ne veut pas arriver en Côte d'Ivoire, qu'il veut que le débat ait lieu au Congo, alors s'il peut nous faire venir au Congo aussi, voilà, il n'y a pas de souci. On va arriver là-bas. Il ne faut pas qu'il va dire non, que peut-être que comme ici en Côte d'Ivoire, on est fort, c'est à cause qu'on veut forcément qu'il vienne en Côte d'Ivoire. N'importe quel territoire, il veut qu'on vienne faire le débat, on est prêt. Claire. S'il veut qu'on vienne là-bas au Congo pour faire le débat avec lui, il va nous faire venir. C'est clair. Même s'il dit demain on vient, aujourd'hui est quel jour? Aujourd'hui est vendredi. Voilà. S'il dit demain, samedi. Voilà, tout frais payé, aller et tout, demain samedi, venez, on va partir. Claire. On ne va pas dire non, on n'est pas prêt. On est toujours prêt. Claire.
Je dis à lui, ce n'est pas vous qui parlerez, voilà. Mais c'est l'esprit de votre père qui est en vous qui parlera en vous. C'est ça. Donc, un chrétien même qu'on appelle à 1h du matin, 2h, oui. Minuit, quelle que soit l'heure, qu'on l'appelle pour un débat quelconque sur un thème bien donné, bien précis, voilà. Il est toujours prêt. Ouais. Parce que c'est pas nous qui faisons le travail. Jamais. C'est le Seigneur qui est en nous là qui fait le travail. Voilà. 1 Jean 4, verset 1er dit, vas-y. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes sont rentrés dans le monde. Mais quand on va plus loin, au verset 4 maintenant, alors la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bon, c'est celui qui est en moi, le Saint-Esprit. Oui. Il est plus grand que Abdou Majid. Bon, je vais avoir peur de quoi? C'est quelque chose, quel jour on peut me surprendre? Jamais. Si on m'a surpris, le Saint-Esprit est surpris. C'est ça. Donc, voilà, voici un peu. Donc, si Abdou Majid dit aujourd'hui, il fait tout frais payer demain pour qu'on arrive au Congo là-bas, on est prêt. C'est ça. S'il dit aussi, il va venir en Côte d'Ivoire ici aussi, on est prêt. Voilà. Parce qu'il faut qu'il va trouver une petite échappatoire. Oui, non, il ne veut pas venir en Côte d'Ivoire, il veut peut-être Congo, ou bien il veut France. Voilà. Ou tu veux seulement, pourvu que ce soit bien organisé, bien structuré, bien sécurisé, on est partant. C'est clair. Donc voici le défi que on lance. En tant que journaliste, oui. C'est ton domaine. C'est ça. Pardon, fais de ton mieux pour que cette vidéo-là puisse la voir pour vraiment. Nous, on veut un retour favorable. C'est ça. On veut un retour positif à ce qu'il accepte le débat pour faire ce débat-là vraiment devant le monde entier. Le thème de son choix. Voilà. Nous, on n'a pas de soucis. Voilà, le thème de son choix. Maintenant, s'il veut même d'abord le thème sur lequel ses élèves ont fui, là, voilà. S'il veut aussi, on peut revenir dessus. Il n'y a pas de soucis. C'est les chrétiens et les musulmans ont-ils le même Dieu? Voilà. C'est le thème qui est là. Si Abdou Majid a accepté ce thème, je pense qu'après le débat, les heures qui vont suivre là, toutes les mosquées vont devenir vides. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'on a fait le débat le jeudi. Oui, oui. Si au cas où on fait le débat le jeudi, par exemple, c'est vendredi que leur jour d'incantation, leur grand jour. Si on a fait le débat jeudi, un jeudi avec Abdou Majid, le vendredi, les mosquées vont se vider. Ah, c'est clair. Ça, c'est pas fait de dire orgueil, c'est pas arrogance. Je sais de quoi je parle. Voilà. Parce que ce jour-là, c'est que lui-même n'a jamais entendu dans son doctorat de religion-là. Il va entendre ça ce jour-là. Ah, donc voici un peu ce que je vais dire en général. Je pense que s'il est vraiment sérieux et qu'il est vraiment sincère de sa connaissance, je pense qu'il va respecter et honorer ce débat-là pour que tout le monde soit situé. Voilà. Abdou Majid, il est docteur, c'est vrai. Mais hein, dans le christianisme, il n'est même pas encore né de nouveau. C'est ça. Il ne vaut pas le niveau. C'est clair. Voilà. Donc, shalom frère, je pense que le défi a été plus que clair et par la grâce de Dieu, cette vidéo ira jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que nous, les chrétiens, nous réclamons ce débat-là. Voilà. Donc, frère, je te remercie encore pour tous ces détails, pour tout ce que tu as dit. Donc, si tu as un dernier mot, pour le mot de fin, et je pense que on va passer. Oui, il n'y a rien à dire. Ce que je peux dire simplement, c'est de vous demander pardon, de faire de tout votre mieux pour que ce débat-là puisse avoir lieu. Pour que cette vidéo puisse parvenir aux mains d'Abdou Majid. Mon grand souhait, parce que Abdou Majid est en train de perdre beaucoup de personnes par ses mensonges, par sa connaissance satanique. Voilà, vraiment, il est en train de gâter beaucoup de choses. Et nous voulons un débat avec lui, parce que ce n'est pas parlable, ce n'est pas coup de poing. Non. C'est argument contre argument. Argument coranique, argument coranique. Argument biblique, argument biblique. Je pense que même s'il y a un argument historique, on rentrera dedans. Pour que la vérité éclate. C'est tout ce que je demande. Shalom, frère. C'est tout ce que je demande. Et je demande aussi à mes frères chrétiens du monde entier d'être toujours sereins. S'il y a une occasion de débat seulement, faites-nous signe. Si vous ne maîtrisez pas le Coran, il n'y a pas de souci. Dieu nous a fait grâce là pour qu'on puisse aussi vous représenter dans ce domaine-là. Donc soyez très sereins et imperturbables. Donc shalom frère. Shalom frère. Donc c'est la fin de ce récapitulatif. Donc nous disons merci. Continuez de nous suivre. Vous serez toujours informés en temps réel. Shalom à vous.